Ryder, vous avez ma gratitude. Cette statue de Marius est une découverte archéologique absolument exceptionnelle. Eh bien, merci. Hé hey, faites gaffe où vous mettez les pieds. N'allez pas tout nous contaminer. Il est au gobelin sur pointe. Je vous promets qu'ils feront beaucoup plus que contaminer le site. Ça, c'est clair. La dernière bataille a eu lieu en surface. Il y a eu une coulée de boue. Le champ de bataille s'est retrouvé enseveli. Ça fait des années que les archéologues travaillent sur ce site. Attention à vous! Allez pas vous faire écraser par les machines. Merci! Mais on a l'habitude, en fait. Je crois que je serais toujours impressionnée par la technologie dont disposaient les gobelins de l'époque. Même une armée actuelle n'aurait aucune chance face à eux. Merci, Nak. Je t'en dois une.
va nous falloir une grue pour l'extraire. Non, pas tout de suite. Il faut d'abord évaluer la profondeur d'enfouissement. Regarde! Gundar veut les robots géants. D'autres hauts gobelins. Mais d'où est-ce qu'ils sortent? Peu importe, ils feront pas long feu. C'est pas pour dire que... C'est pas pour dire que j'avais raison, mais... J'avais raison. Au trésor pareil avec autant d'armes, c'était pas possible que Gundar s'y intéresse pas. Heureusement que les moines sont là. Ils protégeront les archéologues. Se battre et se frayer un chemin pour rejoindre les titans. C'est sûr. On va peut-être empêcher Gundar de les récupérer. Non, on en a plein, s'il vous plaît. Sur
rien que les vieux bouts de robots désossés, mais ça devrait vous aider. On peut faire quelque chose? On a fermé les portes, mais ça les ralentit pas! Dar a pas réveillé les titans d'abord. Je sais pas. Peut-être parce qu'ils ne maîtrisent pas si bien la technologie que ça. Mmh.
quoi ce bruit ? Attention les yeux. Crâneur ! Wow ! Oh, oh.
Les titans! Ils commencent à bouger! Mais oui, ils bougent! Moi, ceux-là sont en pièces détachées. Qu'il les trouvait si beaux. Voilà qui était inattendu. Être enseveli dans la boue pendant des années, ça conserve. On dirait que les gobelins essayent de l'activer. Il faut se manier, Nak. Thank you.
pratiquez-les. Nak, vite! Proche de ce titan. Où es-tu? Fais pas le timide. Oh non! Montre-toi, sors de ta cachette. Thank you.
Merci, Nak. Merci à tous. Vous avez sauvé beaucoup de vies aujourd'hui. Je suis très fier de toi, Ava. Merci, Xander. Mais on est encore loin d'avoir arrêté Gundahar. C'est comme revenir dans le passé. Pas vraiment. À l'époque, ça nous impressionnait encore de voir Nak casser du robot. C'est vrai. Je me demande... C'est là qu'on les a vus se réveiller, la première fois. Ensuite, ça a été dans la vallée, près de là. Et c'est là qu'on les a affrontés aujourd'hui. Ces différents lieux sont tous sur la même ligne. Exactement. Des distances de plus en plus éloignées du centre de commande. Proche, plus loin, encore plus. Le centre de commande serait au milieu de l'océan. Ça fait aller loin pour vérifier une hypothèse. Je ne suis pas sûr que... Là, je suis d'accord avec Xander. C'est une théorie très intéressante, Lucas. Mais mieux vaut nous concentrer sur des pistes plus sérieuses. Je pense qu'un réacteur correctement configuré pourrait localiser... Je suis toujours tes théories, Lucas. Mais un centre de commande au beau milieu de l'océan... C'est peu vraisemblable. Notre monastère préfère regarder vers le futur pour développer ses technologies. Venez. Venez découvrir la modernité, docteur. La modernité. C'est vrai que je peux pas le prouver. Mais je sens que c'est possible, tu comprends? Et qui sait? J'ai peut-être raison. Ce serait pas la première fois. Merci, Nak. Ça me fait plaisir. Ma théorie vaut la peine d'être vérifiée. Allons-y. Merci de ton soutien. Vous en avez mis du temps. Bienvenue à bord. Bonne chance, Lucas. Tu vois quelque chose? Non, rien. Mais je sais que c'est par là. Mon instinct me le dit. Tu laisses souvent ton instinct guider tes actes? Bien sûr. Pas toi? Je vais commencer. C'est qu'un nuage. T'en es bien sûr? T'as raison. Allons voir. Une île avec une tour. C'est ça, une immense tour de métal. Xander n'en revenait pas qu'on ait trouvé le centre. Et ça m'a pris que 3 essais. 4. Mais c'est pas grave. Bon, allons trouver Gundahar.